nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue dans le Christ. Nous allons consacrer notre journée par cette Eucharistie. Nous présentons au Seigneur nos intentions personnelles et communautaires. Célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement devant Dieu que nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés. Qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel, au chapitre 5, les versets 1 à 6, puis 13 à 14, 16 à 17, enfin 23 à 28. En ces jours-là, le roi Balthazar ordonna un somptueux festin pour les grands du royaume, au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père, Nabucodonosor, avait enlevé au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc des vases d'or, enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines, s'en servir pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître, en face du candélabre, les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main,
qui écrivait, il changea de couleur. Son esprit se troubla. Il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir David devant le roi. Et le roi lui dit, es-tu bien Daniel? L'un de ses déportés, amené de Juda par le roi mon père, j'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaire. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage du royaume. Daniel répondit au roi, garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les parts de sa maison et vous y avez mis du vin, toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Dieu a pesé. Dieu a pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Upharsin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Médès, aux Perses. Parole du Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, souffles et vents, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. On vous livrera aux synagogues et aux prisons.
On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. La bataille de la persévérance, frères et sœurs, est pour le chrétien depuis toujours une maxime. La persévérance. Le chrétien doit tout faire pour être persévérant dans sa foi, ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Le Christ a été mal aimé, nous le savons, mal aimé, mal jugé. Le chrétien aussi le sera davantage. C'est pourquoi le Christ nous met en garde. Et donc, dans la première lecture, nous voyons que la corruption, n'est-ce pas, la corruption, la lutte entre le bien et le mal est un fléau qui traverse l'histoire de l'humanité. Dans la première lecture, la parole de Dieu nous instruit. Nous avons des personnages. Il y a d'un côté le roi Balthazar et de l'autre le prophète Daniel. Le roi Balthazar sait, ses frères et sœurs, qu'il est déjà condamné. Condamné pourquoi? Parce qu'il connaît qu'il n'a pas été à la hauteur. Et donc, Dieu a déjà pris sa décision. Eh bien, de l'autre côté, il fait appel à Daniel. Il connaît la réputation de Daniel. Mais il va vouloir faire en sorte que Daniel ne puisse pas être persévérant dans sa foi. Il a refusé depuis longtemps d'être polythéiste, d'adorer les faux dieux, il reste, n'est-ce pas, fidèle à son Dieu. Le roi Balthazar, pour que Daniel puisse donner une interprétation en sa faveur pour ne pas gaspiller la fête. Parce qu'il faut que les gens qui sont à la fête soient contents. Le roi Balthazar a peur. Il va dire au petit Daniel, tu vas essayer, n'est-ce pas, de l'interpréter ça. Dans mon petit mot, pour paraphraser un peu, tu essaies de l'interpréter ça, hein, et puis tu auras beaucoup de calme. Tu seras même troisième personnage de l'homme au moyen. Voyez la corruption. On veut faire taire la vraie information. On veut faire d'emblée, on veut faire en sorte que celui qui est fidèle ne puisse plus l'être. Il abandonne. Le petit derrière, ça, c'est le message pour nous chrétiens aujourd'hui. Petit de la vie, hein? Garde tes canaux. Garde tes canaux, mais moi, j'interpréterai au roi ce que dit l'Écriture. La Bible Christ. Et ça, combien de chrétiens aujourd'hui, combien de chefs dans nos administrations veulent faire cela? Ne pas vivre de fausses informations, ne pas diviser les familles, ne pas diviser les pays, donner de vraies informations. Lire le droit, lire la justice. Et Daniel l'a fait. Maintenant, voici l'inscription au roi. Ne rien n'était plus facile.
frères et sœurs. Dieu a compté. Il t'a baisé. Et c'est derrière. Tu as été très léger. Ce sera malheureux pour nous chrétiens aujourd'hui si Dieu ne laisse prononcer comme ça. Tu as été baisé. Et tu as été jugé trop léger. Pourquoi? Parce que parfois nous manquons d'être témoins, vrais témoins, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'administration, dans nos communautés, dans nos familles. Et c'est le message que nous recevons. Je sais pourquoi le Christ dit à la fin de l'Évangile, c'est par votre persévérance que vous aurez la vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons dire quel malheur si le Seigneur aimerait se prononcer de la sorte pour chacun. Demandons donc tout au long de ce Eucharistie. Demandons la grâce de Dieu. Demandons la grâce de la persévérance, malgré les difficultés, parce que la vie c'est un combat. Et on ne nous donnera pas de cadeaux, on ne fera pas de cadeaux. Parce qu'il y a le mal qui travaille, mais il y a le bien qui est là, le Christ Dieu qui est là dans ce monde. Nous devons choisir notre côté. Et c'est déjà choisi de lui, parce que nous avons été choisis comme chrétiens. Et que nous avons reçu ce que marque de l'aide et les mille, alors nous sommes obligés de témoigner pour qu'à la fin, nous soyons sauvés. Que cette Eucharistie, frères et sœurs, augmente en notre foi et nous aide à être persévérants. Loué soit le Jésus-Christ, à jamais. Que tu nous as demandé de consacrer à ton nom,
Et pour qu'il nous dispose à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons de ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le remplit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sur notre communauté paroissiale et sur toutes les personnes qui prennent part à cette Eucharistie,
tout simplement vraiment prier sur notre pays de Gabon, sur les acteurs de la transition et sur toutes les personnes qui exercent une partielle de volonté dans notre pays. Nous simplement vraiment prier. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous changeons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Mes esprits, quand nous l'avons appris du sauveur et selon son commandement, nous nous sommes dit, notre Père, Thank you.
Seigneur, reçois ta